Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle interview de Zouknostalgie.com. Alors aujourd'hui, je me trouve au Rizé où je vais interviewer un grand monsieur du Zouk qui est auteur, compositeur, arrangeur, bassiste en tant que musicien et aussi chanteur. Il s'agit de Frédéric Caracas. Frédéric Caracas, bonjour. Bonjour. Alors Frédéric, est-ce que tu peux te présenter? Mais je m'appelle Frédéric Caracas. On est déjà, j'approche de la cinquantaine. Parce que non, enfin, je plaisante. Mais disons que j'ai à toucher les 40 ans quand même. Et puis, je continue encore mon combat. Donc, je suis bassiste. Et j'œuvre pour la musique antillaise, quoi. Alors, Frédéric, est-ce que tu peux nous raconter tes débuts dans la musique? Qu'est-ce qui t'a amené à la musique? Mais la musique, bon, ça m'a toujours bercé depuis mon enfance. Parce que, bon, dans mon quartier, j'habite au Rizé. C'est un peu le plateau où tous les musiciens ont un petit peu évolué. Francky Vincent, Tabou numéro 2, Eric Boutard, enfin, tous les groupes venaient répéter au Rizé, parce qu'à la Maison des Jeunes. Donc, j'ai bercé un peu dans ce milieu-là, et puis ça m'a motivé pour faire de la musique et tout ça, quoi. Donc, voilà. Donc, tout ça, ce sont des facteurs qui m'ont poussé à vouloir faire de la musique. Autre question, est-ce que tu veux maintenant nous parler de tout ce que tu as produit, enfin pas ce que tu as produit, de tes albums de Champagne? Déjà, Champagne, c'est quoi l'histoire de Champagne? Champagne, c'est venu, c'est un petit peu banal. Disons que moi, j'avais comme idole Prince. Et je sais que, bon, comme j'ai tellement écouté Prince et un peu, disons, je me suis un peu calqué sur son histoire. Et son premier groupe s'appelait Champagne. C'était un groupe où il jouait dans une cave, où ça n'a jamais pris naissance, en fait, mais c'était ses débuts. Et ça, justement, pour symboliser ça, bon, j'ai dit, bon, pourquoi pas appeler le groupe Champagne, quoi, comme ça n'a. Et bon, voilà, comme ça, c'est tout banal comme ça. Mais je me suis dit que bon, Champagne aussi, ça va être un truc de création où je vais m'éclater, je vais me faire plaisir. Et j'ai pensé, avant de penser au public, je pensais à moi, quoi. Je pensais à m'éclater, faire des. Voilà, c'est pour ça qu'il y a eu des bruits de fer, il y avait des parodies de films, il y avait plein de trucs, quoi, tu vois. Et c'était vraiment une époque où je me suis éclaté, vraiment. Voilà, Champagne, c'était ça, quoi, en fait. Tu veux nous parler de Zouk All Star? Alors, Zouk All Star, c'est encore notre projet qu'il y avait, enfin, en dehors de Champagne, où j'ai rassemblé des musiciens comme Dominique Jeangot, Charles Moyniet, celui qu'Alger. Et on avait chacun, enfin, disons que chacun mettait la main à la pâte pour faire un morceau, et inviter les gens petit à petit pour entrer dans la diaspora du Zouk, tu vois. Donc, c'est comme ça aussi, c'était un truc qu'on a décidé de faire. Enfin, avant tout, que Monsieur Moradel, le producteur, m'a proposé ça, de pourquoi faire un Zouk All Star où tu rassembles des musiciens, tout ça. J'ai dit, est-ce que tu es capable de faire ça? Il m'a dit, j'ai dit, pourquoi pas, oui, je peux le faire. Et voilà, donc j'ai rassemblé des gens, et puis ça, on a quand même fait, quoi, comme combien d'albums? Je sais même plus, peut-être une dizaine d'albums, ouais, voilà. Donc, chaque année, c'était le rituel, quoi. Il fallait faire un champagne pour les grandes vacances, un Zouk All Star pour décembre. Ça nous faisait deux albums où je travaillais d'arrache-pied, quoi. Et puis voilà, c'était une bonne époque, franchement. Et dis-moi, Frédéric, parmi toutes les chansons que tu as interprétées, quelles ont été tes chansons préférées? Bon, j'ai pas vraiment interprété beaucoup de chansons parce que à la base, je me qualifie pas de chanteur. Je suis avant tout un bassiste, un instrumentiste. Mais bon, j'ai quand même, malgré mes qualités moindres de chanteur, j'ai quand même eu deux tubes quand même, L'Ombrage et Bien Silence. Et My Sugar aussi, notamment. Donc, disons, avec ces trois titres, donc j'aurais pu rentrer vraiment dans la catégorie chanteur, mais je préfère rester dans mon truc musical, quoi, voilà. Est-ce que tu fais une différence entre le zouk des années 80, ce qu'on appelle le zouk nostalgie, et le zouk d'aujourd'hui? Et si oui, quelles sont ces différences que tu vois? Mais il y a tellement de choses qui entrent en compte, hein. C'est-à-dire qu'à l'époque aussi, bon, c'est l'époque qui allait avec la musique d'avant. C'est-à-dire qu'il y a l'ingénieur, il y avait les studios, il y avait tout ce qu'il y avait pour préparer un album, quoi. Aujourd'hui, tout se fait un peu chez soi. Donc c'est clair que déjà,
n'y a pas le, comment dire, tu sais, comment on a accès à tout, il n'y a pas cet effet de surprise, de magie. C'est-à-dire qu'avant, on avait un laps de temps pour faire un album, donc on le faisait avec le cœur, on le faisait, on voulait, oui, vraiment réussir. Aujourd'hui, on a toutes les possibilités de pouvoir réussir un album sans se presser, sans se casser la tête, sans, tu vois, tu peux, tu te réveilles à 1 h du matin, tu vas dans ton studio, tu fais un morceau. Donc, si tu veux, il n'y a plus, comment dire, cet engouement, quoi, le truc qui fait que, bon, on avait vraiment envie de réussir. C'est l'époque, hein, qui veut ça. Aujourd'hui, bah, on a Kassa qui fait un album. Ça plaît ou ça plaît pas. Il y a 10 ans de ça, bon, le même album que Kassa a fait cette année, qui n'a pas plu comme avant, eh bien, il y a 10 ans, ça aurait plu. Les mêmes propositions. Donc, on est dans une époque où les gens sont devenus insensibles et à tout, quoi. Donc, le zouk d'aujourd'hui, je peux te dire que, bon, il est vraiment différent que celui d'hier. C'est vrai, ça, il n'y a pas de doute. Tout le monde peut faire du zouk, tout le monde peut faire de la musique aujourd'hui, par le bien des ordinateurs, par le bien de l'évolution, de plein de choses. Et voilà, quoi. Et malgré, justement, cette intensité, justement, au niveau du musicien, bon, c'est pas tout qui passe en radio, tu vois. Et je suis persuadé qu'il y a de belles choses qui se font par des artistes, mais qu'on n'entend pas du tout, quoi. Voilà. Autre chose, Frédéric, on ne voit pas d'album, on ne voit plus d'album de Frédéric Caracas. Par contre, quand on prend la pochette et qu'on la retourne, je dirais que presque sur un tiers des zouks qu'on a aujourd'hui, on voit aux arrangements Frédéric Caracas. Frédéric Caracas, c'est quoi un arrangement? Ça consiste à quoi, arranger un morceau, un album? Ça c'est vaste, hein. Bon, arranger un album, c'est bon, un peu mettre du sien, quoi. C'est le sentiment que tu as sous le coup, sous le moment, que tu veux partager avec le compositeur. C'est avoir une autre vision des choses, c'est un partage, en fait. C'est donner un peu soi-même sur une compo. Et ça aussi, bon, comment dire, les goûts, les couleurs ne se discutent pas. Bon, moi je peux proposer un truc que le compositeur n'est pas forcément obligé d'aimer, quoi, tu vois. Mais je m'arrange toujours pour qu'il y ait une certaine complicité entre ce que je vais faire et ce que qu'il me propose, qu'on trouve un compromis, quoi. Et bien souvent, ça marche. Donc, voilà, c'est un peu ça. Moi, ça me plaît de partager, en fait. Pour moi, c'est un partage. Moi, je le prends comme ça. C'est un échange, c'est un partage. Et puis on essaie de faire de belles choses pour que les autres aussi puissent aimer, quoi. Les gens qui vont acheter, qui vont écouter. Frédéric, tu es marié, tu as des enfants? Non, je suis pas marié, mais j'ai eu des enfants avec deux femmes. Et j'ai vécu maritalement. Maintenant, je vis seul chez moi, ça va, quoi, tranquille. Et dis-moi, Frédéric, au bout de ton métier d'artiste, est-ce que ça a été difficile pour toi de concilier et ta vie privée et ta vie professionnelle de musicien, de... Non, mais je me rends compte aujourd'hui que j'ai gâché un peu justement ma vie sentimentale. Je l'ai gâché par rapport, parce que j'ai tout donné pour la musique. J'ai été sollicité de partout et j'ai plus, en fait, je me suis plus donné à mon métier qu'à ma famille, quoi. Et ça, bon, j'ai eu les fruits justement de tout ça. Mais ceci n'empêche pas que bon, j'aime beaucoup mes enfants et que j'apprends à les connaître davantage, quoi. Je suis là maintenant, je suis sur la place et voilà, quoi. Donc s'il fallait recommencer, c'est vrai que j'aurais organisé ma vie autrement. Mais bon, maintenant les choses sont faites, le passé s'est passé, bien passé, puis je vis autrement et voilà, quoi. En gros, c'est ça, en fait. J'ai une vie cool, quoi, tranquille. Pour avoir une idée, Frédéric, tu penses que j'ai vendu combien d'albums à peu près? Combien j'ai vendu un album? À l'époque où les albums se vendaient très très bien, je sais qu'on touchait les 40-60 000 disques à l'époque. Aujourd'hui, bon, moi, je fais plus d'albums, bien que je prépare quelque chose. Mais
Aujourd'hui, c'est devenu difficile de vendre des albums par le piratage. Bon, tout le monde sait, hein, tout le monde connaît le problème. On a des sites qui nous permettent de télécharger. Moi, je ne mens pas, je suis franc, je télécharge aussi. Et voilà quoi. Donc, c'est devenu difficile pour la production de pouvoir faire des chiffres d'avant, quoi. C'est pas évident. Surtout la musique antillaise. Des musiciens il y a encore des producteurs bien des musiciens qui visent qui visent un marché local quoi. C'est-à-dire que bon donc ça il faut compter une vente d'albums qui varie entre 500 et 2000 albums et là on peut dire que en vendant 2000 3000 albums on a un tube. Alors qu'il y a d'autres artistes qui visent plus haut le marché international. Et là aussi, il y a un petit hic parce que le marché international, c'est pas l'artiste qui va vraiment vers le marché international, c'est le marché international qui vient vers l'artiste. Bon, alors ça veut dire que l'artiste, il a son mot à dire, mais avant tout, il est sous les ordres d'une multinationale où il a des trucs à exécuter. Et bien souvent, lorsqu'il a un tube ou bien il fait, disons, quelque chose d'intéressant qui plaît, il change les donne après parce que il veut faire maintenant une musique formatée pour la France ou bien pour le pays dans lequel il a été sollicité et là c'est où on perd un petit peu notre personnalité, on perd un peu notre côté roots quoi, tu vois, et ça m'embête un peu. On a beaucoup d'artistes qui visent justement le marché international en chantant en français. Mais je pense que beaucoup ne font pas la part des choses parce que chanter en français, ça peut être bien, je n'ai rien contre. Mais ça aurait été bien que depuis peut-être, je dirais bien depuis peut-être 8 à 10, à peu près il y a 10 ans que on chante en français. Et si tu fais un topo, tous les sujets sont basés sur l'amour. Parce qu'on ne sait pas manier le français comme il faut le manier, quoi, tu vois. Et alors qu'en créole, c'est notre langue natale, il y a beaucoup de choses à dire. On peut varier le sujet, on peut dire beaucoup de choses. Aujourd'hui, on est limité justement à un thème, quoi, qui est l'amour. Alors c'est celui, bon, tu m'as trompé, reviens-moi, machin, patati patata. Mais on est basé sur l'amour. Donc, les sujets n'évoluent pas et il serait temps que les artistes prennent conscience parce que même dans les majors, il y a un moment, eux-mêmes se disent, mais est-ce que vous n'avez pas d'autres trucs à. Tu vois, donc, c'est pour ça que ça ne dure pas d'ailleurs. Tu entends un artiste qui éclate, boum, et puis c'est fini. Tu vois, donc. Mais bon, lorsque tu as des artistes comme Pierre Lama, Mehdi Custos, Sly, bon, je parle bien des gens qui font du zouk, c'est basé sur l'amour. Tu vois, tu peux faire un album comme ça, bon, c'est pas grave, dès que les mélodies sont belles, tu peux faire des textes. Mais tu vas dire quoi pour le deuxième album? Tu vas encore rester sous le truc. Et c'est là que, bon, on commence à moins t'aimer, on commence à trouver ça banal, on commence à rentrer dans une routine. Et puis, on n'entend plus l'artiste après. Parce qu'il n'a plus rien à dire, tu vois. Donc, c'est difficile d'être chanteur. Si tout va bien, donc vaut mieux que je reste sous ma tisse, quoi. Encore une question, Frédéric. On y arrive. Donc, tu dis que le zouk souffre un petit peu de cet amour qui revient tout le temps. Qu'est-ce qu'il faudrait au zouk pour que ça marche bien? Je pense qu'il y a le côté festif aussi. Je sais pas moi, avant, lorsque Kassa faisait des albums, on s'est tous calqué, qu'on veuille ou pas, on s'est calqué sur Kassav. Et Kassav a traité tous les sujets, l'esclavage, la tradition, la politique, le zouk, la danse, l'amour, l'état d'esprit, c'est-à-dire, je sais bien, qui chantait, je sais pas, moi, Olivier, machin, bon, je sais pas, y a plein il y avait tellement de trucs, de thèmes. Même Patrick a beaucoup chanté des chansons d'amour, mais lorsque tu regardes bien, je prends pas sa défense, mais ça, y a toujours eu
Ça a été toujours poétique, il y a toujours une évolution dans les textes d'amour, quoi. Et que, bon, les gens se sont calqués à ça aussi, donc. Et il y a tout été traité avec ça. Et ainsi que même des musiciens qui sont venus après, je pense à Juif Fleuro, je pense à Bouta, moi-même, Tania Saint-Val, enfin, on s'est calqué aussi sur ça, mais on a pu traiter plusieurs sujets aussi. L'hypocrisie, l'honnêteté, on a pas mal de choses, quoi, tu vois. Et je pense qu'on reste quand même dans un pays, la Guadeloupe, Martinique, la Guyane, tout ça, on reste quand même festif, quoi. On aime s'amuser, on aime danser, on aime bouger. Et ouais, je pense que tout ça, il faudrait encore appliquer ces trucs-là. Bon, je sais pas, il y a la joie de vivre, la joie de. On disait qu'on est tous tristes, quoi. On disait qu'il n'y a plus de joie, quoi. Tout le monde est triste. Et tous les sujets qui sont traités, qui peuvent être traités par des chanteurs, sont traités par soit des gars de la dancehall, parce qu'ils ont beaucoup de choses à dire, ou soit par des gens de la tradition, des gens comme Timil, comme Eric Oza, comme Boisdur, comme Anzala. C'est des gens qui traitent toutes sortes de trucs parce qu'ils peuvent le faire dans leur musique, quoi, toi. Parce qu'en français, c'est clair que tu vas dire, ouais, que le haut, machin, je suis fauché, je suis machin, ça passe pas en français, tu vois, donc faire rentrer la facilité, parler, ça passe en français, ça peut passer, mais il faut trouver les paroles, les mots qui vont avec, tu vois, donc le zouk, c'est, musicalement, ça a évolué, musicalement, avec les sons qu'on a aujourd'hui, avec tout ce qui est, ça a évolué parce que on prend du plaisir à danser sous les nouvelles musiques. Je prends Ali Angel, Midi Custos, Pierre Lama, Princess Lover, tout ça, Fanny. On prend du plaisir à danser. La musique est bonne toujours. Mais il suffit qu'un artiste ou une artiste fait un succès. Bon, ben les autres vont se calquer sur ce succès-là, de faire des chansons qui ressemblent un peu à ça. Et en fait, c'est voilà, c'est à ce niveau-là que je trouve que le bas blesse. Il n'y a pas de, ça n'évolue pas assez vite. C'est-à-dire que cette année, on a eu un tube Fanny. Mais disons que les autres chanteuses qui vont arriver vont un petit peu aller dans ce sens-là. Et donc, pour que ça évolue, il faudra attendre 1 an, 2 ans, 3 ans. Et en même temps, c'est pas non plus la faute des artistes, parce qu'il y a aussi les radios qui ont un rôle bien important dans la diffusion musicale. C'est que dès qu'ils ont donc la radio a un succès, un truc qui plaît, ils veulent rester dans ce truc-là, quoi, dans ce style de musique, dans un format bien défini, qui fait que l'artiste même essaie de composer en fonction des radios, quoi, en fait. Il y a ça aussi. Donc, il faut pas, je me bats le tournant plus aux artistes, parce que la radio aussi a imposé un style musical, et l'artiste va dans ce sens-là. Donc, je pense qu'il faudrait trouver d'où sort le problème. Mais je pense que les radios jouent un rôle bien, bien, bien important dans cette routine musicale qu'on a maintenant, qui n'avance pas assez vite, quoi. Frédéric, tu étais amené à faire de la scène, du live. Je veux dire, ton meilleur public, tu l'as rencontré où? Ton public le plus chaud, le plus... Alors, mon expérience avec Kassa m'a permis de me rendre compte, en fait, que le zouk est une musique internationale. Plus l'être, en tout cas, parce que dans tous les pays où je joue avec Kassa, le public a été réceptif. Les gens dansaient exactement comme des Antillais, alors que c'est pas leur musique, bon, mais dans tous les pays, sans exception, les gens ont réagi sous le zouk. Et bien entendu, c'est un zouk bien rapide, bien festif, en fait. Et je trouve que, bon, ben, j'ai pas trouvé de meilleur public, quoi. C'est vrai qu'en Afrique, le public est chaud. Mais disons que, quel que soit le pays dans lequel j'ai été, les gens ont été réceptifs. Donc, moi, je peux dire que où j'ai joué du zouk, les gens, ça a plu aux gens. Et c'est une des raisons qui me pousse à encore me battre pour cette musique-là. On a peut-être gagné une bataille, mais pas le combat, parce que il faut qu'on arrive à toucher encore, mondialement, toucher d'autres publics, quoi. On a touché en faisant du live, mais on n'a pas encore touché avec nos albums, au niveau des ventes, au niveau de la promotion, au niveau de, voilà,
Je sais que c'est une musique qui a encore de l'avenir. C'est une musique qui est jeune et qu'on n'a pas trop encore, on n'a pas encore assez exploité, quoi. Soit par les Américains, ou bien soit par des Jamaïcains, ou n'importe qui. C'est une musique qui peut, on peut toucher tout le monde avec ça. Donc, c'est à nous de nous battre pour ça, quoi. Ainsi que les radios. Voilà, je pense que il y a des médisants qui disent que le zouk c'est mort, c'est machin. Moi, je dis que non, au contraire. On a de quoi vivre encore 20 ans avec notre musique. Éternellement, c'est pourquoi pas. Tu nous as parlé tout à l'heure du rôle des radios. Est-ce que tu trouves que les radios remplissent leur rôle en tant que média? Et sinon, qu'est-ce que tu penses qu'elles devraient faire à ces radios, ces télévisions? Je pense que la radio devait laisser le choix à l'auditeur de dire que c'est bien ou c'est pas bien. Ils le font, mais ironiquement, ils le font. Ils vont passer, par exemple, un tube, une compo qui peut être un tube et une compo qui peut ne pas être un tube. Donc c'est clair que les gens tout de suite vont faire le choix. En disant que bon, parce que avant, pour que la musique soit diffusée par rapport à la multitude de CD qui sort, il y a des animateurs qui s'amusent à faire ce tandem-là. Bon, une musique, est-ce que ça vous plaît, ça vous plaît pas, voilà. Donc les gens, ils vont, et généralement, lorsqu'ils font ce tandem, il y a la musique qu'ils veulent qui passe en radio, ils ont déjà passé depuis une semaine, où les gens ils ont déjà conditionné les gens. Donc ça je trouve ça ironique. Par contre, la musique doit être diffusée, qu'elle soit bonne ou pas bonne, et laisser le public dire que bon, j'aime pas, j'aime pas, j'aime ou j'aime pas. Le truc c'est que il y a la guerre des radios. Aucune radio ne peut s'engager à faire ça parce que de peur de perdre des auditeurs. Tu vois, tout ça, je trouve ça tellement, moi franchement, je trouve ça con, quoi. La musique doit être diffusée parce que j'écoute des radios, oui, des radios, disons, ce sont des radios qui sont assistées par ordinateur, il n'y a pas d'animateur, ils passent de tout. Maintenant, tu veux pas, tu n'aimes pas musique, tu vas zapper, tu vas sur une autre radio, tout ça. Et c'est ce que la radio ne veut pas. La radio veut que l'auditeur reste scotché sous sa radio et que pour ne pas l'écouter notre radio. Tu vois, alors que bon, le monopole, c'est fini, quoi. C'est-à-dire que maintenant, la bande FM est saturée et on a de quoi. Et si on veut pas écouter du zouk, on peut aller sur notre radio écouter du jazz ou bien. Aujourd'hui, non, c'est pas ça. Toutes les radios passent exactement les tubes. Donc, il y a aucune diversité au niveau des radios. Il y a aucune différence entre telle ou telle radio. Pour moi, c'est toutes les radios se ressemblent parce qu'ils passent exactement la même musique. Donc, je peux même pas. Dans ma voiture ou bien chez moi, zapper pour dire bon, mais je vais écouter autre chose. Alors, qu'est-ce qui se passe? Les gens aujourd'hui commencent à rentrer dans un truc interactif. Maintenant, tout le monde a un iPod et tout le monde fait son programme. Tu vois, aujourd'hui, tout le monde fait son programme. Bon, des gens ont la possibilité d'écouter la radio maintenant par le net. Bon, ben, c'est ce que se fait en ce moment. Peut-être que des animateurs ou bien certaines radios ne voient pas le truc venir, mais moi je vois le truc venir, c'est que d'ici 2 ou 3 ans, les radios, on va plus les écouter, quoi. C'est-à-dire que les gens vont faire leur programme, vont écouter la radio par le net. Peut-être ça va être une. D'ailleurs, ça commence. Il y a des disques qui ont fait fureur en étant diffusés par le net. Les gens ont découvert des trucs que les producteurs ont plus ou moins radiés, tu vois. Donc. Et je pense que tout l'avenir, c'est là, quoi. L'avenir, c'est sous le net, c'est l'interactivité, quoi. Donc, je pense que je peux même pas donner conseil aux radios ou à qui que ce soit parce que les choses évoluent tellement vite que aujourd'hui, tu as une idée, mais demain, c'est déjà passé à autre chose à la vitesse supérieure et ton idée, bon, tu peux la garder pour toi, quoi, tu vois. Donc, ouais, moi, je pense que, voilà, en gros, c'est ça, hein, c'est se faire plaisir avant tout et ne pas faire de la musique pour faire plaisir aux radios ou bien pour faire plaisir à un public bien déterminé. Si tu as un truc à dire, dis-le. Tu vois, tu veux, ton idée t'a dit de faire des trucs jazzy dans le zouk ou bien de faire des trucs avec bien le zouk ou bien de faire mettre du go-kart ou bien de faire du zouk un peu spécial. Fais-le, quoi. C'est-à-dire que on a besoin de créativité pour que les choses évoluent. On veut pas de plagiat, on a envie d'évoluer. Avant,
Avant, dans la musique, lorsqu'il y avait Kassa, Juflo, Bouddha, Itzblefer, en fait, toute la clique, on avait chacun un style bien déterminé, un style différent qui permettait au public de savoir que c'était un tel ou un tel. Aujourd'hui, c'est fini. Parce que personne ne veut créer, personne ne veut faire des choses. Aujourd'hui, bon, c'est Mehdi qui marche, mais tu vas entendre des chanteurs qui chantent comme Mehdi. Hier, c'était Sof. J'ai entendu des groupes qui ont fait comme ça. Donc, personne ne veut prendre de risques aujourd'hui, quoi. C'est dommage. Et je pense que on a des gens qui ont fait la une dans le passé. C'est à eux de créer, de continuer à créer pour que les autres puissent créer aussi, tu vois. Mais bon, c'est plus la politique des artistes, c'est plus la politique des médias. C'est un peu désolant encore. Voilà. Frédéric, est-ce que tu trouves que le zouk nostalgie a encore de l'impact aujourd'hui? Nostalgie. Alors, nostalgie, pourquoi? Parce que on n'entend plus, on entend, ça se fait plus. Mais lorsque j'entends des gens dire le zouk est trop, c'est encore trop tôt pour dire que on fait le zouk est trop. Parce que c'est encore une musique qui fait danser, c'est encore une musique qu'on écoute en radio. Moi, c'est la diffuser, c'est tout. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de zouk rétro, de zouk nouveau, tout ça. Ça reste encore du zouk. Ça reste encore les mêmes structures, les mêmes les mélodies. C'est qu'on n'entend plus, c'est les compositeurs qui d'avant, et on dit que c'est du zouk rétro. D'accord. Mais ça reste avant tout une musique de danse. Et que on a besoin de ces musiques-là pour avoir des souvenirs de, je sais pas moi, c'est plutôt dans ce sens-là peut-être qu'ils disent de nostalgie, mais tu vois qu'il y a des choses ont évolué, comme je l'ai dit au début de cette interview, que des choses ont évolué, mais on a encore besoin d'écouter ce genre de trucs, la musique que faisaient les artistes avant et celle d'aujourd'hui. Il faut que ça se mélange, quoi. Dans boîte de nuit ou bien n'importe où, dans une soirée, on a besoin de ces musiques-là. Est-ce que tu peux nous expliquer tout le processus, c'est-à-dire comment ça se passe depuis le moment où tu as l'inspiration, tu joues les premières notes, où tu mixes, tu arranges, jusqu'au moment où le CD est pressé? Comment ça commence, comment ça finit, tout? Ou bien hier. Il y a les deux, on sent bien la différence. Mais je pense que c'est le même procédé, c'est-à-dire que tu es inspiré, tu évolues dans ta composition. Bon, ça va commencer par une mélodie qui vient dans ta tête. Après ça, tu voudras la mettre sur le papier. À partir du papier, tu voudras l'interpréter. Lorsque tu l'as interprété, tu sens que c'est quelque chose qui est intéressant. Tu l'agrémentes avec des arrangements, d'autres instruments et tout. Une fois que tu sens que c'est comme un plat que tu prépares. Hein. Une fois que tu sens que c'est bien mijoté, c'est bon et tout, à ce moment-là, tu vas avoir un producteur, tu lui fais écouter. Bon, c'était comme ça se passait comme ça avant. Et si ça plaisait, bon, ben, tu rentres en studio. Si ça te plaît aujourd'hui, tu rentres dans ton studio, c'est comme ça. Et puis tu mets tout en boîte, tout ça, et puis maintenant, ça dépend. Maintenant, le procédé, c'est de savoir si c'est toi qui produis ton album ou bien si c'est un producteur. Et après ça, chacun a sa part à faire, quoi. Il y a le producteur, il y a le distributeur, il y a l'assassin à payer, il y a le mastering, quoi encore, enfin, il y a pas mal de choses. Donc, ça évolue comme ça, et puis bon, maintenant, par rapport à avant, maintenant, il y a le passage en radio aussi, il faut savoir quelle radio aller voir, présenter, faire la promotion, faire. C'est assez vaste, hein, parce que chaque artiste a un procédé. Ce que je raconte, c'est le basique, quoi. Maintenant, il y a d'autres procédés, il faut savoir combien d'argent tu mets pour ta promo, est-ce que l'artiste a pris assez d'argent pour faire sa promo, est-ce qu'il y a des échanges avec des radios, enfin, il y a tellement de trucs qui rentrent en compte. Donc ça devient un petit peu complexe, ça. Mais le basique, je te l'ai donné, quoi, en fait. Ça se passe comme ça. Une question, Frédéric. Est-ce que tu estimes qu'aujourd'hui, après avoir donné toute ta vie à la musique, est-ce que tu penses qu'aujourd'hui tu gagnes bien ta vie en tant qu'artiste?
Et autour de toi, est-ce que tu as le sentiment que les gens vivent bien ou mal leur musique? Donc d'abord toi. Moi, je pense que je gagne beaucoup moins aujourd'hui qu'il y a 10 ou 20 ans. Parce qu'avant, le zouk, c'était vraiment quelque chose d'innovant. C'était une musique qui marchait très, très, très bien et qui rapportait beaucoup d'argent. C'est-à-dire qu'un seul artiste rapportait beaucoup d'argent à une boîte de nuit. Aujourd'hui, il faut au moins 10 artistes pour attirer des gens en boîte de nuit. Mais un artiste arrivait vraiment, vraiment à gagner sa vie. Et même pour réaliser un album, aujourd'hui, pour faire un album, tu restes, quoi, 10 jours au studio. Avant, ça arrivait qu'on restait 15 jours, voire un mois en studio pour faire un album. Tout se passait là, dans un studio. Aujourd'hui, bon, on a la possibilité de faire chez soi, donc on prend son temps. Une fois qu'on a pris son temps, bon, on veut vraiment, on se sent prêt à réaliser l'album, bon, ça prend quoi? Entre 5 et 10 jours. Il y a des artistes qui gagnent encore bien leur vie, qui ont bien géré le côté professionnel et le côté financier, quoi. Parce que mes collègues d'avant n'ont pas su faire la part des choses. C'est-à-dire qu'en gagnant beaucoup d'argent, ils pensaient qu'ils gagneraient éternellement d'argent, quoi. Et que les choses resteraient comme ça. Ils étaient sur un piédestal. Et donc, avant d'investir, avant de faire quoi que ce soit, ils ont vraiment vécu bien avec leur argent, voyagé, restaurant, boîte de nuit, belle femme et tout. Bon. Et puis l'argent, dès qu'il sort, il rentrait pas, l'argent ne rentrait pas aussi facilement qu'il sortait, quoi. Donc, l'époque aussi voulait qu'on vive bien, quoi. Tu vois? Donc, aujourd'hui, je pense que les erreurs que certains artistes, les autres qu'ils ont fait dans le passé, a été, si tu veux, une leçon pour ceux qui arrivent aujourd'hui, qui savent maintenant comment bien agencer leur argent. Maintenant, ils ont une comptabilité bien établie, ils ont des trucs plus. C'est fait autrement qu'avant, quoi. Donc maintenant, je pense qu'il y a des musiciens qui ont compris que c'était un métier aussi et qu'il fallait pas faire n'importe quoi. Et que. Il y a des artistes qui s'en sortent très bien. Il y a d'autres qui moins bien, quoi, toi. Mais je pense que en agençant bien sa vie professionnelle, je pense que bon, ben oui, il y a des artistes qui sont bien financièrement, oui. Ouais, je pense. À l'époque du zouk nostalgie, ce que j'appelle zouk nostalgie, c'est le zouk, le bon zouk de l'époque qui nous manque aujourd'hui. Quelles ont été tes plus belles rencontres? Je veux pas citer, mais il y en a eu beaucoup. J'ai beaucoup beaucoup aimé travailler avec Edith Defay, j'ai beaucoup aimé travailler avec Tania, j'ai beaucoup aimé les Pomme Zouk Machine, tous les artistes avec qui j'ai bossé dans l'écurie Debs, l'écurie Moradel. Non, il y a eu, franchement, c'était à chaque fois c'était quelque chose d'intense, c'était un échange, c'était une amitié, après avoir côtoyé ces gens-là, on devenait des amis parce que c'était vraiment de belles rencontres. Aujourd'hui, on n'a plus ça parce que tout le monde est devenu un petit peu individuel, quoi. Tu vois, les gens sont chez eux, tu viens, te calquer, puis tu repars, quoi. Il n'y a plus cette communion, cette joie de vivre dans un studio, tout ça. Il n'y a plus ça. Et ça se ressent sur les albums, hein. Avant, lorsque tu entendais un album de Luc Léandri, même si Luc Léandri était il était avec Debs, moi j'étais avec Moader, ça n'empêchait pas que je sois à ses séances et que c'était la joie de vivre en studio. C'était des belles filles en studio, c'était de l'alcool, c'était du coca, c'était des gâteaux, c'était de la bouffe, c'était vraiment des blagues, c'était la belle vie. Tu vois, aujourd'hui, c'est fini. Même Kassav, lorsque l'album de Justin Bieber, Kaï Maman, il y avait au moins 100 personnes au studio. C'était le rire, on sent qu'il y avait la joie de vivre dans. Ça se reflétait sur les albums. Aujourd'hui, c'est fini. Hein. Il n'y a plus ça. C'est-à-dire qu'un album se fait vraiment. S'il y a 4 musiciens, mais il y a 4 musiciens au studio. Il n'y a plus cette joie de vivre il n'y a plus cet engouement, quoi, où c'était la fête. On retrouve encore cette mentalité-là. On retrouve ça sous les disques africains. Sous les disques
Moi, depuis que je connais la musique africaine, il y a toujours eu, ça toujours la fête en studio. Les parents qui viennent avec la bouffe, tu manges, tu retournes à ton instrument, tu as bien bouffé, tu as bien rigolé. Là, ça sort sens sur ton jeu. Après, ça, c'est. Nous, on n'a pas ça dans notre musique. Dans notre musique, c'est fini, ça. Tu as un ou deux albums comme ça, machin, mais maintenant, on est très très sérieux derrière son instrument. Et puis voilà quoi, on rentre chez soi après, voilà, c'est triste quoi, c'est triste tourner, c'est pour ça que la musique est triste comme ça aussi. Et ouais, lorsque tu écoutes un album, ben c'est triste quoi, tout est c'est triste. Frédéric, est-ce que tu as des anecdotes à nous raconter? C'est plutôt aux autres de raconter parce que je sais qu'ils en ont beaucoup sur moi, donc j'ai pas été un saint non plus. Moi, celle qui est la plus populaire, c'est une séance que j'avais faite chez Debs. Enfin, bon, il m'avait appelé pour une séance, mais je savais personnellement qu'il fallait que je prenne l'avion le soir pour entrer sur Paris. Et lui, il voulait que je fasse son album absolument, donc je fasse ses basses. Donc, j'avais déjà enregistré mes bagages depuis l'après-midi. Et je vois que l'heure arrive et que je suis encore en séance chez Debs. Et vers les 20 h, bon, il me dit, bon, ben, je vais bouffer, et puis, on sort de rendez-vous dans une demi-heure, tout ça. Bon, dans une demi-heure après, moi, j'étais dans l'avion, quoi. Et j'ai laissé ma basse là, tranquillement. J'ai laissé ma basse tranquillement, chez lui. Et le soir, enfin, dans une demi-heure après, voire 1 heure, il voit que j'arrive pas. Donc, il appelle chez moi. Il demande pour moi. Il me dit, mais il est parti à Paris. Et ça l'a tellement éclaté que il en a fait une histoire avec, quoi, tu vois. Donc, une histoire plus ou moins comique, quoi. Parce que, bon, pour lui, il pensait pas que pour lui, c'était inimaginable. Donc, voilà. Et lui, là, toute la diaspora du Zouk, là, est au courant de cette histoire. Et chaque personne interprète à sa façon, fait son petit baratin avec. Il y en a eu d'autres, mais je m'en rappelle pas. Ben, c'est des autres qui pourront raconter ça. Ouais. Dis-moi Frédéric, moi, j'ai déjà essayé de te joindre plusieurs fois, tu es difficile à joindre, tu es occupé, tu es à droite, tu es à gauche. Est-ce que tu as du temps? Est-ce qu'un jour tu prévois d'avoir du temps pour toi, Frédéric? Mais peut-être que c'est mon temps, justement. C'est du temps que j'ai pour moi. Enfin, mais en travaillant pour les autres, c'est vrai. Mais le temps, effectivement, ça fait longtemps que j'ai pas pris vraiment de vacances. Et j'y pense j'y pense là j'y pense parce que je suis en train de réaliser un album qui est pas forcément un album qui soit zouk, mais c'est un album caribéen où je vais un peu je serai un symbiose un peu avec des artistes de la Caraïbe parce que on a beaucoup de talents tout près de nous, c'est aussi Barba, tout ça, et j'ai envie de toucher un autre public, j'ai envie de d'avoir un passeport pour aller ailleurs, quoi, en fait. Et là justement, je prendrai mon temps à le faire. Je prends mon temps à le faire déjà, j'ai commencé. Et je pense que c'est où je prendrai les vacances, vraiment. En allant dans les îles, en faisant des échanges. Ça reste encore du boulot, mais avec un autre plaisir, quoi. Donc, c'est vrai que tous ces jours-ci, depuis quelques années, sollicité pour plusieurs des trucs différents l'un de l'autre, mais ça m'empêche un peu de vivre comme il faudrait que je vive, quoi. C'est-à-dire avoir un truc bien établi, me réveiller à une telle heure, aller manger à telle heure, le dimanche aller à la plage, ou bien voir mes enfants faire des trucs. Bon, c'est pas encore le cas pour moi, mais ça viendra. J'espère. Frédéric, on revient encore dans le passé. À propos du groupe, donc tu nous as parlé tout à l'heure de The Call Star, mais Champagne, qui c'est qui composait Champagne? Champagne, c'était avant tout un label, en fait. Hein. C'était pas vraiment un groupe. Ça commençait avec Jacques Darbo, Rodrigue Marcel, parce que c'était mes compos. Et après, j'ai trouvé un chanteur qui pouvait être avec moi tout le temps, quoi. Parce que, bon, Jacques Darbo était déjà un gars connu, qui était sollicité par d'autres personnes. Moi, il me fallait quelqu'un qui soit avec moi, à mes côtés, où on compose ensemble, on fait des trucs ensemble. Et ça a été Victor Delver.
Il est resté jusqu'à la fin, jusqu'à ce que je rentre dans Cassav. C'est pour ça qu'on a eu vraiment de belles aventures ensemble, vraiment fait un bon travail au niveau des compos, on s'est super éclaté parce qu'on était disponible. Il était disponible, j'étais disponible et voilà, ça marche comme ça en fait. Champagne, c'était ça, c'était une belle aventure. Zoukostar, c'était un groupe parce qu'on a tourné aussi, on a fait du live et tout ça. Mais Champagne, c'était avant tout un label, quoi. Donc, Frédéric, je sais que tu as souvent été en France. Tu as vécu là-bas? J'ai vécu en France, oui, mais j'étais souvent en connexion avec les Antilles parce que, bon, au début, c'est le producteur qui me faisait rentrer en France pour tout ce qui était technique, c'est-à-dire rentrer avec le matériel pour pouvoir réaliser l'album, enfin pour mettre l'album en boîte, comme on dit, parce que les bons studios se trouvaient en France. Donc on partait faire des enregistrements là-bas. Et après ça, j'ai vécu, soit c'est en permanence là-bas, parce que en 90, lorsque je suis rentré avec Kassav, donc il fallait que je sois sur place, sur Paris. Mais j'ai eu quand même la chance d'être encore connecté avec les Antilles, parce qu'on avait un sponsor aérien à l'époque, et on avait des quotas de billets, donc on pouvait rentrer comme on voulait sur les Antilles, tout ça. Donc ça a été une bonne chose pour moi. Donc j'ai jamais perdu le contact avec la source, quoi. Voilà. Frédéric, une question. Imagine, je veux me lancer dans la chanson aujourd'hui, je veux devenir artiste. Quel conseil tu me donnerais? C'est difficile, en fait. C'est difficile parce que il faut vraiment être dans la tête, il faut vraiment être dans le corps de la personne pour savoir ce que cette personne veut vraiment. Parce que j'ai des amis qui ont un bon travail, qui travaille à la banque, qui travaille aux impôts, qui travaille n'importe où. Enfin, des gars qui ont l'amour de la musique en eux et qui ont laissé leur boulot pour faire de la musique. Alors, des fois, je me dis dans ma tête, mais ils sont fous, ces gars-là. Et en même temps, je me dis, mais est-ce qu'ils sont vraiment fous? Est-ce que c'est pas la folie, une folie qui est propre à. C'est-à-dire ils ont tellement d'amour pour la musique qu'ils sont prêts à tout pour la musique, quoi, tu vois. Donc, ça, c'est. Tu peux pas être. On peut pas se mettre à la place des gens. Donc, c'est difficile aujourd'hui de donner. Avant, on pouvait donner un conseil parce que. Mais aujourd'hui, bon, on connaît les difficultés qu'il y a dans ce qu'on vit, dans le showbiz. Bon, moi, si quelqu'un maintenant se met la musique, qui a un boulot, moi je dis que cette personne est folle, quoi, tu vois. Bon, maintenant, s'il faut le voir dans un autre sens, bon, ben, je dis que c'est quelqu'un qui sait vraiment ce qu'il fait et qui veut entrer dans cette aventure, c'est un aventurier. Donc, aujourd'hui, c'est clair que c'est devenu difficile. Et que bon, si on rentre dans son combat là, c'est qu'on est bien armé, quoi. Donc moi, c'est tout ce que je peux dire, quoi. Et si on n'est pas armé, de s'armer parce que bon, parce que on rentre pas dans une guerre comme ça. C'est entrer dans un truc hyper hyper compliqué. Et il faut vraiment avoir des choses à dire. Il faut vraiment venir avec quelque chose d'innovant pour pouvoir résister aujourd'hui dans cette musique-là. Voilà. Frédéric, tu auras toute ta carrière artistique. Est-ce que tu te dis aujourd'hui, il y a des choses que tu regrettes, tu n'aurais pas voulu que ça arrive, tu n'aurais pas aimé faire ceci. Est-ce que tu as des choses que tu regrettes? Oui, il y a beaucoup de choses que je regrette. C'est-à-dire que bon, je me suis consacré beaucoup aux autres et au détriment de ma propre carrière, quoi. C'est-à-dire que donc c'est vrai que j'ai un petit peu fait plus attention à ça. Mais en même temps, j'ai pas le en aidant les autres, en étant toujours accessible, disponible. Je pense que j'ai fait surtout pour le bien de la musique entière. C'est-à-dire que j'ai tellement envie un jour que la génération qui vient, qui arrive, continue le travail qu'on a commencé. Je parle de Jacques Audevarieux, ou Ulysse Salcedo, Giflo, enfin tous les musiciens qui étaient là à l'époque, qui ont œuvré pour la musique antillaise. J'aimerais que demain, que ceux qui arrivent continuent ce combat-là. C'est important parce qu'on n'est toujours pas reconnu mondialement.
Il faudrait qu'on aille dans ce sens-là, quoi. Il faudrait qu'on arrive à, dans la petite île qu'on est là, Guadeloupe, Martinique, qu'on arrive à être des gens reconnus par tout le monde, quoi. Une musique, c'est vrai qu'on fait, on est encore, comment dire, il n'y a pas encore assez de solidarité, on n'est pas encore assez unis pour ce combat-là, quoi. Mais il y a certains qui ont pris conscience qu'il faut encore se battre pour la musique et pour la musique et le zouk. Et en fait, voilà quoi, il faut qu'on mène ce combat-là à plusieurs, quoi. C'est important. Mais est-ce qu'il y a des choses où tu es vraiment fier de toi? Tu dis, ouais, je suis super content, j'ai réussi à faire ça. Moi, je suis fier lorsque les gens sont contents de ce que j'ai fait pour eux. Donc, ça me fait plaisir, ça m'encourage, ça me motive à continuer à vouloir encore faire de plus belles choses. Mais aussi, je suis fier aussi lorsque j'entends de beaux arrangements faits par d'autres personnes, quoi. Parce que c'est bien d'avoir la concurrence, d'avoir des trucs où ça te donne envie de faire encore mieux, tu vois. C'est ça, quoi. Et donc, y a cette fierté pour ça, quoi. Des belles choses, ouais. J'ai cette fierté-là, oui. Frédéric, si tu ne devais pas être artiste, qu'est-ce que tu serais? Alors, si j'étais pas, je pense que j'aurais été dans l'électrotechnique, j'aurais fait un truc je sais pas quoi, un truc manuel, mais basé sur l'électronique ou l'informatique, des trucs comme ça. Je pense que ça me plaît toujours et puis c'est ce que j'ai voulu faire avant tout, mais la passion pour la musique a été plus forte, quoi. Donc voilà, je suis encore avec mon virus qui est la musique. L'interview va toucher à sa fin. Frédéric, est-ce que tu as un petit coucou, quelque chose à dire à tous ceux qui vont écouter cette interview? J'espère qu'ils me connaîtront mieux. Je reste quand même quelqu'un de simple, de quelqu'un qui a peur du micro. Parce que des interviews, je n'en ai pas eu beaucoup, parce que je fuyais plutôt. Voilà quoi, je reste quelqu'un d'accessible en même temps inaccessible parce que bon, comme tu dis, dès que tu m'appelles, tu n'arrives pas à m'avoir. Je suis pas très très portable. Les portables sont là, mais ils sont cachés dans la maison. Je sais pas où ils sont. Mais je suis toujours, disons, à la disposition de tout le monde et dès que c'est un travail qui me plaît, qui un travail qui peut faire encore évoluer notre musique, moi je serai toujours là tant que Dieu me prête vie, quoi. Voilà. Eh bien, Frédéric Caracas, merci. Merci de m'avoir accordé un peu de ton temps précieux pour cette interview. Et on espère tous que Dieu te prêtera vie encore pendant très longtemps. Assez longtemps pour que tu puisses encore nous donner du bon zouk, Frédéric. Donc voilà, cette interview touche à sa fin. Merci à tous. Et puis rendez-vous à la prochaine interview. Alors, je ne vous dis pas qui c'est encore une surprise. Mais bon, on vous connaît, les auditeurs de zouknostalgie.com. On sait que vous êtes fidèles. Donc vous aurez une bonne surprise pour la prochaine fois. Merci. Ciao, bye.